Donc ça c'est Dilemme, on est sur la région de Montlouis et il fait venir les Syrahs de Chevillard. D'accord. Donc il fait un assemblage, donc c'est un vin de France, mais avec une petite pointe d'acidité. Cabernet, Syrah, c'est ça? Voilà. D'accord. Exactement. Exactement. Parce que quand il y a eu le gel, il avait presque pas de vin, et comme il a travaillé chez Villard, François Villard, Villard lui a amené des vins. Oh, il est magnifique. Et donc il fait des assemblées et il a gardé cette cuvée là et il fait venir toujours ses. Ça sent la groseille, ça sent. C'est super bon. Oh là 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 là. Alors c'est pas très fort en alcool, non, donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aime bien. J'aime plus ce qui est puissant. Non, 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 non. Non, non, c'est fini ça. Alors ça, avec le veau marin rouge, ça va être quelque chose. Oh, plaisir. Daniel, tu te rappelles du veau maringot de maman, hein? Alors, sous-noix et poitrine de veau pour ce maringot, avec des bonnes tagliatelles locales, un bon verre de vin, et on va se régaler les enfants. Ça sent mais alors incroyablement bon. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Regardez-moi cette assiette là. Oh, 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 oh. Un petit peu de sel, quoi? Non. Ah, non. Moi j'ai mis ce qu'il faut. Oui, non, mais je connais votre cuisine, Jean-Luc. Il n'y a rien à rajouter, hein? Normalement, mais normalement. Quelquefois. Regardez-moi ça. Ah, j'ai des souvenirs de du veau maringot de notre maman, mon cher Daniel. D'ailleurs, j'en ai pas mangé depuis que j'ai quitté la maison. Mais dis donc, les morceaux choisis, c'est de. La Sainte Vierge en robe de velours. Les potes. Des bonnes tagliatelles. Oh, la sauce. Un délice. Un délice. Ah ouais. Là, c'est un voyage au pays de notre enfance, mon cher Daniel. Alors. Un choix merveilleux comme d'habitude avec Jean-Luc Laroulard. Bah mes cadets, comme dit l'autre, et bah mes petits frères. Un vrai régal. Et bien sûr, les gamelles du Doberman sont vides. Toutes. Il n'y a plus rien. Et puis c'est tout. À se rincer le gosier. Oh la vache. Mais tu vois, ça, un festin. Et je pense que c'est
ça c'est mon vin de dessert. Alors le Petit Prince Guelvic, c'est le fruit de l'assemblage d'un jus de pomme Guelvic et d'eau de vie de cidre blanche. Ça fait 17 degrés, c'est raisonnable. Ça c'est la rôtie aux pommes. Rôti aux pommes. Voilà, avec un petit peu de beurre, comme un rôti, et cuit dernier moment. Très chaud. D'accord. Donc, expliquez-moi si vous avez alors, le temps. Le petit prince, c'est une triste histoire. Il n'a pas l'appellation pommeau. Hein, d'accord. Qu'avec une pomme et pas de passage en bois. C'est, le Gorvello, c'était donc le pot créo. Et il a perdu un fils qui a traversé la route et du coup, il a appelé le petit prince. Ah oui, ça c'est triste. Son, oui, effectivement. Par rapport à son fils. Ouais. Non, c'est pas une belle histoire, mais enfin bon. Bah, oui, mais bon, elle a mérite peut-être. Ouais. C'est sympa. C'est toujours triste hein, quand les parents perdent un enfant, ouais. Parce que c'est pas dans l'ordre logique des choses. Voilà, puis surtout à bas âge, il devait avoir bah, c'est ça. 4, 5, 5, 6 ans, je sais plus. Donc il a appelé le petit prince. D'accord. Il a une belle robe, hein. Donc il est on beau est sur comme la tout, pomme là. Guelvic seulement. C'est pour ça. Que de la pomme Guelvic. D'accord. Eh bien. La pomme, normalement, c'est des assemblages de pommes passage en bois. Merci Jean-Luc. On va goûter ce joli dessert. En plus, c'est bon. C'est tiède, c'est magnifique. Avec une boule de glace vanille dessus. On va goûter ce petit prince. Même si l'histoire est triste, ce goût est magnifique. Moi qui aime les pommes. Très très bien. Le mariage de la pomme, de la vanille et de ce fou pommeau. Qui est un réaliste d'ailleurs. On ne peut pas avoir l'appellation pommeau, mais. Il en vaut. Hein. Il en vaut certains autres. Hein. Ça, c'est quelque chose. Hein.